C'est eux là ? Non, c'est pas eux si ? Wesh. Ouais, attends, il fait bader. Oh non, mais Maeva! Maeva! Mais Maeva! Elle a tout gâché! Fuck Maeva aussi, là. Putain. Difficile, difficulté difficile, l'IA, oh là là. Il fait bader, hein. Putain, je peux pas le tourner. C'est quoi ces perks du coup? Peut tirer et générer. Attends, je vais arrêter la musique parce que j'en peux plus, hein. Peut tirer et générer des biocapsules à travers la carte. Celles-ci peuvent se fixer à n'importe quelle surface verticale sur laquelle elles atterrissent. La singularité peut contrôler une biocapsule à distance et regarder au travers afin de marquer des survivants. Ok, c'est Cypher quoi. Il peut se téléporter près de lui en utilisant les biocapsules pour le marquer ou en lui tirant dessus quand un survivant va. Après une téléportation de flux parasite réussi, la singularité passe en mode surcadence. Dans cet état, les murs et les palettes peuvent être détruits plus rapidement, la vitesse de saut d'obstacle augmente et le tueur ne peut pas être étourdi par les palettes. Les tentatives d'étourdissement à l'aide d'une palette annulent le mode... Ok. Impulsion électromagnétique. Au début de chaque partie, plusieurs caisses de ravitaillement apparaissent, chacune contenant une IEM, les survivants peuvent utiliser ces IEM pour supprimer les flux parasites qui les affectent eux ou d'autres survivants. Ok. Autour de vous, les limites de la vie humaine deviennent flagrantes. Lorsqu'un survivant achève l'action de soins, il souffre de l'effet de statut épuisement pendant 32 secondes. Hésitation forcée. Lorsqu'un survivant se trouve en état critique, de tous les autres survivants se tenant dans un rayon de 16 mètres autour de lui, il souffre de l'effet de statut entrave. Ouais, il a l'air... Vous ressuscitez et vous préparez à éliminer vos créateurs. Après avoir endommagé un générateur, cette compétence s'active. Tant que cette compétence est active, le prochain générateur que vous endommagerez sera compromis tant qu'il ne sera pas achevé. Compromis, c'est-à-dire quoi? Le générateur est en surbrillance jaune. Lorsque le générateur compromis est achevé, vous devenez indétectable et gagnez 10% de rapidité. Mais on est où? Mais wesh. Waouh. Et du coup, il y a un nouveau survivant? Lorsque le tueur vous pourchasse, expert s'active. Vous voyez l'aura du générateur dont les réparations sont les plus avancées. Vous voyez l'aura du tueur pendant 6 secondes après avoir fait tomber une palette. L'effet perdure 10 secondes après la fin d'une poursuite. Wesh. Pardon, j'étais étonnée par, par son truc là. Je sais pas ce que c'est. Ok. Fait pour ça, c'est actif lorsque vous êtes en état blessé. Vous courez 3% plus vite. Après avoir fini de soigner un autre survivant, vous gagnez l'effet de statut endurance pendant 10 secondes. Attends, fait pour ça ne peut pas être utilisé lorsque vous souffrez d'épuisement, mais n'inflige pas l'effet de statut épuisement. Ah, ok, ça te pro... Ça, ok. Ça te pro, ok. Lorsque vous tenez une boîte à outils vide, récupérateur s'active. Réussir un test d'habilité excellent pendant les réparations vous rapporte un jeton pour un maximum de 5. Lorsque vous atteignez le nombre maximal de jetons, perdez tous vos jetons et rechargez votre boîte à outils automatiquement et intégralement. Puis votre vitesse de réparation d'un générateur sera 50% plus... Ah, plus lente. Ok. Cette compétence donne la faculté de fouiller dans un coffre ouvert une fois par épreuve et garantit une boîte à outils de base. En vrai, ouais. Abuse, Polar.
Ouais, ça va, elle est stylée la perks. Bah là, je les ai lus, ouais, les perks que... Bah là, c'est le survin. La crise de milk, mic, mec. Elle est trop dure ton pseudo là. Bah oui et non, parce qu'en soi, c'est pour pallier au tueur qui lui aussi court plus vite, quoi. En vrai. Ok, vas-y, je reviens, je vais me chercher de l'eau et je vais faire pipi. Et vas-y, on fait quelques games, hein. On fait ça? Aloha! Aloha! Ça va ou quoi? Ça va et toi? Oui, ça va. Je reviens, je vous laisse avec mon chat, je vais juste faire pipi en attendant. Comment ça fait chaud là dans mon bureau, hein? J'arrivais pas à allumer Roberto. 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 Roberto le ventilo. Ok, écoutez, je vais me mettre dans le nord parce que sinon ça va me niquer les yeux. Hop. Faut acheter la clim de D-Labs. Bah, je l'ai acheté. Mais bon, tu lis pas mes messages. On a trouvé ici. C'est vrai qu'il y a une belle promo sur la clim quand même. Après, elle reste quand même chère. Hein. Ouais. Parce qu'au final, avec la promo, elle est pas si peu chère par rapport à ce qui se fait déjà, tu vois. Enfin, je sais pas comment expliquer. Par rapport aux autres marques? Ouais. Genre, ouais. Genre par rapport à ce que tu peux trouver dans le commerce, etc. Je t'avoue que 300 balles avec la promo, ça reste quand même... Enfin, moi, je trouve ça reste une belle somme, quoi. Oui, c'est sûr. Après, je crois que c'est une bonne marque, Clarkston. Je connais pas du tout. Ils font du bon électroménager, si je me trompe pas. La diff entre une clim et un ventilo? Bah la clim, tu mets un accès extérieur, enfin pour les clims portatives, les clims sur les murs et tout, je sais pas comment ça fonctionne en vrai. Et ça, du coup, ça te crée de l'air froid et ça te rejette l'air chaud dehors. Et c'est pour ça que c'est pas ouf niveau pollution, etc. Enfin niveau réchauffement climatique apparemment. Et le ventilo, bah c'est un ventilo quoi. Après, moi, mon ventilo, c'est, il me fait de l'air froid. Me demandez pas comment, j'en sais rien. Les clims sur les murs, t'as un bloc extérieur. Ok, bon, en vrai, ouais, c'est pas étonnant. Ouais, moi, c'est un Dyson, ouais. C'est Roberto, le petit Dyson. Qui m'avait coûté un bras à l'époque, mais en vrai de vrai, bien contente de l'avoir, quoi. J'imagine. Après, le Dyson, il refroidit pas tant que ça ma pièce. Surtout avec le PC allumé. Bon, après, c'est parce qu'aussi, je le mets pas à fond. Quand je le mets dans la chambre, il refroidit quand même pas mal la pièce. Mais là, c'est surtout, tu vois, je le mets sur moi, ça me fait de l'air frais, en fait. Et par rapport à une clim... Ouais, de... Ouah, c'est la nouvelle map ? Oui. Ouah. Je l'aime tellement. Merde, des touches. Ouais. C'est la chasseuse. Pas comme par hasard. Puis on a un AFK. Bouge ! Bouge ! Oh, Théo ! La map est trop belle, par contre. Elle est trop belle. Et regarde dans le ciel. C'est magnifique aussi. Waouh, la map est trop belle.
Ouais, la map elle est vraiment belle. Hein. Titre de la vidéo YouTube, cette map est trop belle, OMG. Wow. C'est bon, t'as fait tes touches? Elle va revenir direct, je pense. Mais bon. Elle revient, oui, elle revient, j'ai vu. Ouais, t'as vu, hein. Là, t'as perdu, hein. En vrai, moi j'ai fait un gauche-droite tout pourri, hein. Bah, après, Bichette, si elle connaît pas la map, t'es où? Je poursuis vers le jeune là qui vient d'ici. Bon, je commence un autre jeune. J'en avais commencé un autre, mais. Mais la map est incroyable! Ouais, jamais ça fonctionne. Je connais pas assez bien la map par contre, je sais pas où je cours là. Ouais, je sais pas où aller. On peut monter là-haut? Ouais, je vais mourir là-haut, hein. Oui, tu peux monter. Incroyable, c'est si beau. C'est si beau. My bad. Oh, en plus, je sais plus faire les 3-6. J'ai voulu, mais j'ai pas réussi. Bah, parce que kick, c'est parce que peut-être je suis pas allée au bon endroit, quoi. Ça passe. Oh la pute! Comment ça se fait que le coup s'est mis sur moi et pas sur l'autre? Ah, oh, puis en plus, ça me focus quoi. Je vais tenter de prendre la run. T'es vraiment une. Des araignées dans la map. Ça me dégoûte le bruit. Ah bah oui, mais elle est pas très loin du coup, elle a l'air forcément revenir. Merci. Ok. Ah, je voyais pas. Voilà. Elle est sur vous? Moi. Ouais, elle est sur Théo. J'emmène un peu loin du mec.
On l'essaye. On a perdu. Bah pareil, il a retourné sans moi. Moonwalk ? T'as dit quoi ? Ils ont plus moonwalk, j'ai l'impression. Tu peux le décrocher, je pense, non ? Allez, plus sur moi là. Vas-y, il se laisse mourir. Le... Quelqu'un est proche de lui ou pas ? Ouais. Ok. Je suis au main, moi. Tout en haut. Non, mais les araignées, ça me dégoûte par contre. Hein. J'ai l'impression qu'elles vont me sauter dessus. Pourquoi ils ont mis des trucs alors qu'il y a des arachnophobes, quoi ? Oh non. Ah non. Je m'en fous direct. L'araignée me dégoûte, ouais c'est une nouvelle map. Tu peux te soigner ou pas, Théo ? Non, pas, c'est pas très grave. Et te cherche, Théo. Elle a la visée sur toi ou pas, Maeva? Ouais, elle est juste à côté. Ouah. Eh bien. Je me récupère, c'est bon. Merci. Putain, ça casse plus le. Enfin, ça enlève pas le crochet un petit peu. Elle est partie directement sur toi, Maeva. Ah ouais. Essaye de venir vers la shack. Non mais en fait ça le casse une fois que la personne est morte, je suis bête. J'arrive, j'arrive. Je suis un peu perdue là dans les. Ah, c'est pas smart. J'ai serré les fesses avant que j'ai des courbatures. Et elle va te chercher. Elle me ramasse pas, elle te cherche. Elle vient un peu dans ta direction là. Vas-y, je me relève. Hein. Surtout, elle revient sur toi directement. Ah, normal. C'est chiant par contre. Ouais, je sais plus faire les 3-6, les gars. Que je me réentraîne. Mais vas-y, mais sale pute, va, sale chienne, enfant de putain, elle m'a saoulée. Pardon, c'est un peu vulgaire, mais... En vrai, non, mais viens, essaye pas de venir me soigner parce qu'elle traîne quand même autour de moi.
Du coup, je vais faire genre d'aller dans... Elle vient vers toi. Je voulais faire genre d'aller dans une position différente pour que... Enfin, dans une... pour qu'elle pense que t'étais vers là-bas, mais ça n'a pas marché. Vas-y, je m'éloigne alors. Ah, elle m'a pris. Elle m'accroche. Je vais me laisser mourir en vrai. T'es sûre? Moi, je peux venir. Hein. Non, non, non. En vrai, je pense que sinon, on n'arrivera pas à la terminer parce qu'elle va juste flog. Les araignées, ça me dégoûte. Pourquoi ils ont mis des putains d'araignées dans la map? La map était bien jusqu'aux araignées. Ouais. J'ai jamais compris DBD. Point d'exclamation DBD, t'as le résumé un peu des règles. Enfin, trappe. Explication. T'as la trappe? La fermée devant moi. Oh non. Oh non, Terry. Tu m'as saoulé. Bah, les araignées, ouais, elles me mettent un peu mal à l'aise, ouais. Après, elle a voulu slug, quoi. Je vais voir combien d'heures de jeu il y avait, mais je peux pas voir. Pas gentil, non. Mon nombre de points de sang. Mais ouais, mais parce qu'à chaque fois que je joue, je fais jamais mes trucs de sang, là. Des bisous, Elim. Faire des gauches-droites quand t'es à terre, j'ai un pote quand elle est dernière, ça marche 75% du temps. Je sais pas à quel rang que ça fonctionne, hein, mais... Ça va ou quoi, Dixtose? J'aime pas les femmes. C'est pas grave, hein. Moi aussi, je préfère les hommes. T'as le droit de préférer les hommes. Bah, Polar, il faisait juste son coming out. Pourquoi tu le bannes? Mais... T'es homophobe, Polar? Je préfère le savoir maintenant. What the fuck, Polar, hein? Ça fait un défaut en plus chez Polar. Ça me déçoit. Ouais. Hier, elle banne quelqu'un qui voulait me donner de l'argent. Aujourd'hui, elle banne quelqu'un qui a du mal à en parler, mais qui vient avouer sur un chat qu'il est effectivement gay et que c'est difficile pour lui. Tellement plus beau une femme. Les goûts et les couleurs, les gars. C'est chacun son truc, hein. Théo, t'es peu bavard aujourd'hui. Ouais. Pourquoi? Est-ce que t'as passé une bonne nuit? Une nuit de 1h30, comme d'hab. Donc je sais pas si on peut s'amener. Mais comment ça tu dors 1h30, c'est pas possible, hein. Bah je sais pas. Tous les jours tu dors 1h30, tu fais pas de sieste ni rien, impossible frère. Oh ouais, si c'est un temps je fais des siestes. Ouais. Ah oui, bah oui, ah oui, quand même. Comment tu tiens sinon? Genre 1h30 par-ci par-là, ok, 1h30 tous les jours.
C'est quoi déjà ce bruit? C'est pyramide. Oh, il m'a entendu. Ouais. Oh, c'est passé. Ok, il m'a perdu, il m'a perdu. Alors, Nulos, on me perd ? Allez, ciao, Nulos. On était tombé sur une nurse qui devait être joueuse pro. Mais oui, je me souviens. Je me souviens. Il est sur quelqu'un ? Ah, il est sur... Elle, est... Elle est sur moi. T'es à l'étage, t'es en bas, t'es où ? Je suis au rez-de-chaussée. Okay. Ouh, t'es où ? Désolé, désolé. Okay. Ça m'a traumatisé à vie. C'est vrai que t'avais pas eu de chance, toi. Elle est toujours sur moi. Mmh. Toujours au rez-de-chaussée. Ouais, t'as fait eu. Ouais, Polar, ça fait 5 ans, j'y pense, mais... Mais bon. C'est difficile à bien organiser. Puis de toute façon, j'ai arrêté YouTube entre-temps. Elle est sur la PU. Non, je disais pas ça pour ça, Polar. Je disais plus ça pour le côté comment est-ce que tu fais un gène. Genre, il y a plein de trucs que tu peux pas mettre IRL, tu vois. Genre, tout ce qui est perte, etc., t'as pas. Genre, c'est. Elle est tombée. Ouais. Je la vois pas. Elle l'a mis où? Ouais. Un peu trop, oui. Je monte à l'étage. Ah, bonjour. Ok. Derrière... Il m'a eu ? Il m'a eu en blind ? Je la décroche. Il est sur l'un de vous. Moi je me fais déborder. Mais laisse-moi te soigner. Mais pourquoi? Enfin, j'ai pas compris ce qu'elle a fait de base. Bon, après il y avait le tueur, mais. T'as vu? Ouais. Mais en fait, j'ai juste pas entendu le tueur, je pense. La PU, elle a dû... Elle a dû m'insulter. Elle a dû m'insulter, j'étais en train de la body block. Je comprenais pas ce qui se passait. Alors moi, je voulais juste la soigner pour ma perte. Il est toujours au mid. Il rentre dans le bâtiment. Non, il est toujours au midi. Bon, il reste près de moi, quoi. Il fait des allers-retours au midi. Faites les gênes, hein. Ah non, là, c'est bon, il est parti sur... Tu peux venir me chercher, Théo. Non, attends, puisqu'il a fait un chemin, là. C'est quand même... Je suis battu. Toujours sur vous, ou pas? Elle est sur la PU, elle est à l'étage. Je sais pas qui, j'ai même pas vu.
Depuis quand il y a un gène ici? C'est violent, c'est violent. Oh. On voit même pas où elle est tombée. Elle est accrochée à l'étage. Oui, il va descendre par le toit là. Enfin, par le l'étage. Même pas. Non, je te laisse crever avec ton gène. Waouh. Je sais pas ce qu'il fait, hein. Y'a quelqu'un qui va sur la PU? Non. Mais Théo! Putain, finalement, la PU, j'ai cherché. Ah, il nous regarde, regarde, il est à la fenêtre. Ah oui. Non, mais attends, il fait bader, qu'est-ce qu'il a? On est dans un film d'horreur ou quoi là? Ah, il arrive. Ah, oui, bonjour. C'est sur moi, je crois? Oui. Gêne, mais il était déjà fait. Mmh, mmh. Moi, je l'emmène à l'étage. Mais là, je... T'as besoin d'être soigné, toi? Non, même pas. Mais y'a pas de gêne ou quoi là? Y'en a au rez-de-chaussée qui est bien avancé. Mais y'a celui du mid aussi, mais j'aimerais bien trouver un troisième, comme ça on les finit quoi. Ok. Merde, putain, je lisais mon chat, j'étais en train de me dire, putain, vous êtes calme sur DVD, ça change de Valo. Vous me demandez pas mon rank sur DVD? Je suis un peu choquée, un peu déçue. T'es rank quoi de Jna sur DVD? Ça te regarde pas. Tant pis, au moins j'aurais essayé. Non, c'est trop tard, Paula. Il est un peu long ce looping, dis donc. Je suis entré dedans. Je m'approche dehors. Pourquoi tu veux pas dire ça change quoi à ta vie? Maman, la voix de Maeva, c'est un bonbon. T'es amoureux en fait. Wow. Moi je vois trop Maeva s'énerver. Je suis sûre Maeva c'est une fausse calme. Genre des fois elle lâche des sales putes et tout, c'est sûr. C'est totalement vrai. Même que ça choque des gens. Camp hein. Beaucoup j'ai l'impression. Bon madame nul. Bon, j'ai coincé les QTE de Théo pour maman. Waouh, mais qui? Allez, cours! Elle revient. C'est terrible là. C'est bon, c'est bon. Il n'y a pas beaucoup de joueurs. Je sais pas où aller. Oh mon dieu. Où je pas. Salut, c'est de l'autre côté qu'il faut aller. Bon, c'est un peu dangereux quand même de se soigner en plein milieu comme ça, mais...
Bah elle nous a pas vu hein. Attends viens, avance, avance. Lâche-moi. Ok. Ouais, il y a des ranks sur DBD. Mais en fait, les ranks sur DBD, c'est plus tu joues, plus tu vas monter, donc en soi... Vas-y, go faire le gène du mid. Non. Quoique, attends, je vais prendre la reine pour la PU. Bon, bah allez avec nous. Voilà, t'as plus besoin. La pire. Oh, le gène du mid, il est à zéro. Y'a pas un autre générateur? Il ramasse pas? Moi, je sais pas si ça lui a fait gagner du temps, mais... Non, il est pas assez. Dommage. Oh non, il m'a vu. Oh non. Moi, il m'a pas vu. Soigné. Bah vas-y, je vais tomber pour toi. T'es où? Oh, tranquille. Il me chasse même pas, en fait. Il me course même pas. C'est moi, il est sur moi. Hein? Mais... Mon ref, t'es bigleux là ou... c'est bon, t'es en vie, Théo. Ah merci. Faites le gène en vrai. Non mais en vrai, j'ai joué comme une connasse, j'aurais dû courir. Mais... Gène du mid? Bah peu importe, faites le dernier gène. De toute façon, moi j'ai soit ma perk, soit... Enfin, j'ai mes deux perks dans tous les cas. Je trouve pas de générateur, c'est terrible. Du coup, Ambre, ça va ou quoi? Pour une exclamation vocale, Gabi, si mes modos ont bien fait leur taf, n'est-ce pas, Paula? Elle arrive, non? Non, il est toujours sur moi, il est toujours autour de moi. Il fait des giga traits par terre, là. Mais au pire, sortez à deux, hein, tranquille. Hein. Faut-il encore trouver le générateur? Ah, par contre, je me suis pas sacrifié pour que vous trouviez pas de gêné, quoi. Mais... C'est une blague, Théo? Mais pourquoi tu fais ça? Mais tu sais que là, t'as... Mais je te donne une façon conquérée, tu sais que... Mais là, la game est ruinée, là. Genre là, on pourra même pas sortir à deux. Bah non. Allez hop. Il t'a suivi toi? Non, il m'a... Je sais pas. Non, il m'a suivi moi. Mais attendez, je vais prendre la reine, moi je suis que P1. Non mais je suis dégoûtée Théo, j'ai envie de t'insulter. Alors que vous auriez pu juste sortir à deux, quoi. Mais on n'avait pas le temps de faire un gène. T'as dit quoi? On n'avait pas le temps de faire un gène, on a aussi peu de temps. Bah, au moins le commencer, quoi. Oui, mais commencer, ce qu'on avait, c'est le gène central. Donc il serait mis en deux secondes. Je suis morte. Ah! Pardon, en plus je vais réveiller. Ah bah. Ori. T'as Valo. Non, je sais quoi, Valo? Je connais pas. Ouais, kick. Hey, Théo. T'as Adré? Non. Mince. Complicado. 50-50 sur la porte. Allez. C'est comme LOL mais avec des fusils, ok. Oh non, il y a un totem enflammé, j'ai peur. Oh le mec. Il est sur toi Théo. Ah, il est sur moi. Va à l'autre porte, je l'ai bientôt ouverte. Je crois qu'il a entendu la porte. Ouais.
Oh non. T'as gagné du temps. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir loot ici? Pas grand chose, hein. Oh, ah non, tu t'éloignes tellement. Ouais. Ah, puis là, les personnes n'échappent à la mort. Hein. Ouais. Terrible. Korama. Je suis morte. Vas-y, j'en fais une last, hein. C'est juste le même producteur, mais rien à voir avec LOL. Ah, c'est un film, Valo ? Ok. Bah, le Memento, en fait, le problème, c'est qu'on était dans le mur, quoi. Producteur de jeux comme Ubisoft et Steam, ok. J'ai rien compris, Kix. En fait, ça me fait rire parce que Xelarius, je me suis dit putain, merde, t'es premier degré. Et j'ai vu ton émote. Et j'ai compris. Mon jeu a été remplacé par été. Ouais, mais même, genre quand tu as la petite. Oh, t'as écrit la petite animation L'AS, c'est pour ça que je comprenais pas. Genre, j'étais en mode quand tu l'as, enfin tu sais, t'avais rajouté deux fois A et du coup, oh là là. Et le pire, c'est que tu m'as dit pourquoi mon jeu a été remplacé par été. Je me disais, mais c'est même pas ça le problème. C'est mon correcteur, zéro blague. J'y crois moyen. Coucou Kyle, ça va ou quoi? J'ai trop faim, les gars. Ouais, j'en fais une last, après je vais manger. Oh, mais Zayfire, c'est... Ça va? Mais putain, mais c'est parce qu'il est 9h30 que vous n'arrivez pas à... Genre, la notion du second degré et tout, c'est trop tôt pour vous? Ou c'est juste quelque chose que vous n'avez pas acquis? Ah ouais, la polar, là, tu peux bien le mettre, cette émote. Je suis morte. Verbe savoir. Putain, coucou Happy Turtle, comment tu vas? Yo, guerrier dragon, ça va? Putain, guerrier dragon, avant t'étais tout le temps premier, quoi. Merci à toi aussi, Grégory. Maintenant, tu l'es plus. J'ai appuyé sur B pour ouvrir ma boutique. Voilà, fallait que je le dise. Oh,
C'est le tueur de Kix. Ok. Ah, il est là directement. Purée. Vous avez mangé quoi ce matin dans le chat? Est-ce que même vous avez mangé? C'est important de manger le matin. Juste moi j'attends d'avoir faim. J'ai pas mangé, j'ai déjà ne pas encore. Moi j'ai pas faim le matin. Bah moi ça vient après, tu sais, mais il faut que je sois réveillée depuis un petit moment. En vrai ça dépend. Des fois j'ai faim dès que je me lève. Muesli plus yaourt nature 0% plus banane plus miel. Un brave verre de jus de clémentine. Excuse-nous le pirate là. Un pain au chocolat, chat, tu feras attention, tu t'es trompé. Génial. Quoi? Ça a bloqué notre générateur. Bah super, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Bah je sais pas. Bah rien. Tu vas peut-être gagner la game, non? Oui bah écoute, je vais bien finir mon gène quand même. Si vous êtes pas content, fallait aller plus vite, surtout que vous étiez à deux dessus. C'est vrai. Un quoi? J'ai pas compris, Fur. De vrai, la Volvic fraise au matin, c'est trop bon. Oui, non, mais après, à un moment donné, il faut être adulte aussi. Ah non, je l'oublie. Ça va aller, Xylorène? Mais parce que je savais que le gène il allait être fini, j'ai vu le quitter et du coup je l'ai pas fait. Vas-y, vas-y. Mais non, il est là. Ah, non. Ah merde. Mais il me comprend un peu beaucoup, frérot là. Ah, parce que c'est à côté, c'est pas vu. Mais il nous avait surtout pas vu, hein. Oh là 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 là. Ceci dit, le gène du mid est fait, ça c'est bien. Il est vraiment. Mais non, il est pas là. Il est là en fait. J'ai le body block pour toi, Théo. T'as vraiment le cœur sur la main. Je me suis fait body block par le décor. Oh mon dieu, une ligne droite, je suis morte. Et pourquoi il lance pas ses couteaux? Bah. Il n'a pas récupéré. Mais il est trop bizarre! Il est bizarre ce tueur! Il est tombé amoureux. Il est tombé amoureux de moi, je l'ai dragué. C'est bon les gars, je vais jamais mourir. Comment résister à ton pigeon? Il a vu que il a vu que j'étais une petite fleur. J'ai peut-être que je te soigne, Théo. Bien, merci. Il a eu peur de la peluche. Oh non, je l'entends. Ah, il est remonté. Mais j'en ai marre de cette PR. Bah génial. Tu n'iras jamais un gène ensemble, Théo. Oui. Ah, j'ai menti, une dinguerie qui se passe. Il s'est passé quoi? En gros, il m'a regardé depuis un balcon et il a voulu me tirer dessus et genre... Oh, je peux me cacher ici. Ça va passer les gars, vous allez voir. Je vous avais dit quoi?
Même lui, il a pas compris ce qui vient de se passer là. Ça, il va croire que je suis trop forte alors juste que je troll. C'est vrai qu'il est pas très fort, hein. Je pense vraiment qu'il est juste pas très fort. Ouais, non, ça par contre. Mais. Non, mais juste il troll. Tu veux pas me soigner? Ah, il m'a vu là. Il est mort. Mais je sais pas s'il troll ou s'il est nul. Il m'a lâché, je crois. Je pense qu'il est nul perso. Je pense qu'il est nul. Non, moi je pense qu'il troll. Non. Oh, il fout lui. Vas-y, Théo, vas-y. Ah, vas-y, vas-y. J'ai le coffre. Non mais quand je dis troll, c'est en mode, tu sais, il est gentil, tu vois, genre c'est pas un méchant tueur. Non, il débute, 100%. Ah, il débute, bichette. Ah, y'a un monde, hein. Hop, le prend cadré. Aucune monde. Pardon, je suis pas très indulgente là. N'hésitez pas à ouvrir les portes, hein. Écoutez. Mmh. Tant qu'on y est, quoi. Eh, c'est ouvert, Maëva? À 80%. 70%. Bonjour. La porte est à 99. Qu'est-ce qu'il fait? T'es où, Maëva? Bah, il me suit, je suis en haut. Ah, mais je savais pas que t'étais montée. Je vais aller ouvrir la porte alors. Ok, Claudette, elle ouvre la porte, du coup, je sais pas la si elle va l'arrêter ou pas. Vas-y, vas-y, je vais dire. Ah, bah, Claudette, elle l'a pas arrêté. Nous, c'est ouvert. Je suis hein. Bon, là. Oh, il est pas trop content. Vas-y, Claudette, t'es méchante avec lui. Me tire, moi. Toujours mieux que de commencer sur la nurse. Ah, la nurse, moi je trouve. Enfin, moi j'ai comme. Enfin, quand je joue tueur, j'aime bien jouer nurse. Alors que je joue jamais tueur. La nurse prénerve, en vrai, c'est que c'est facile à apprendre. Chili barbecue poursuivant meurtrier, impasse, nulle part où se cacher. Ah, profil privé. Je vais dire GG quand même, hein. M'a fait de la peine. Ah, mais je pense. Oui, bah, niveau 2 de toute façon. Il est quelle heure? Ouais, non, je vais stop. Parce que ça m'étonnerait. Je sais pas si on fera une game rapide. Non, mais j'ai trop faim, de toute façon. Hop! Vas-y, je vous laisse si jamais vous voulez continuer à faire des games. Si, merci beaucoup pour les games. Merci à toi, vous deux. Quoi? Bah, toi, tu m'as pas dit merci, Théo. C'est pour ça que j'ai dit juste à elle. J'ai dit merci, mais je l'ai pas dit fort. Ah. Non mais de toute façon je vous ai dit merci pour les games de base.